Ce programme vous est offert par Cadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Chimumi. Mary Creamow's in the middle. And he's unmarked. It's Creamow. Yes! 3-0 to Morocco. Won't you believe it? Playing in the World Cup is the realization of every footballer's dream. It's the pinnacle of any career. In their opening group encounter, Algeria, one of Africa's two representatives, éliminé injustement de la Coupe du Monde Espagne 82 suite à une combine à ciel ouvert entre l'Allemagne fédérale et l'Autriche. Les Fenecs d'Algérie retrouvent la compétition 4 ans plus tard au pays des Aztèques. C'est la première sélection africaine à participer pour la deuxième fois consécutive à une phase finale de Coupe du Monde. Pour se qualifier, ils ont arraché leur ticket de participation devant les Aigles de Carthage de Tunisie au quatrième tour éliminatoire. Mais avant le départ pour le Mexique, les Algériens disputent 4 matchs de préparation, soldés par 4 défaites face au pays organisateur, le Mexique, la Hongrie, la Corée du Sud et la Suisse. Loin de leur belle prestation de 1982, où ils avaient battu 2-1 la Mannschaft allemande, finaliste de l'épreuve, les Fenecs sont menés d'entrée de jeu par l'Irlande du Nord sur ce but de Norman Whiteside dès la 6e minute. The ball hammered in from that free kick. It definitely took a deflection, but a really dream start for Billy. Devant 22 000 spectateurs à l'estadio de 13 mars de Guadalajara, Jamel Zidane redonne espoir aux Algériens sur ce but à la 56e minute. That was a magnificent goal. Went clean through the wall there on. The Algerian player who stepped out there is Majer, who used to play for the Racing Club of Paris before his move to FC Porto. Passé à côté de l'exploit de 1982 à leur premier match, les Fenecs se contentent d'un point et retournent le 6 juin dans l'arène de Guadalajara face à la Seleção brésilienne, triple champion du monde. Les Fenecs tiennent en échec toute la cohorte de stars durant la première manche. L'Algérie avait bien battu l'Allemagne il y a 4 ans, vous vous en souvenez très certainement. Eh bien, l'Algérie peut fort bien réaliser une nouvelle colossale surprise. Ménad, Yassidi Saïd. Assad avec Belloumi à ses côtés. Oh, bien joué. Dommage. Oui, c'était un in-jeu entre joueurs ou ex-joueurs de Mulhouse. À la fin, il a monté à sa sarpa. De retour des vestiaires, les Algériens qui ont tordu sans rompre craquent à la 66e minute sur ce but d'Antonio Carica. Menés au score, les Algériens n'osent remettre les pendules à l'heure jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre argentin Romulo Mendes. Avec un point en poche, les Fenecs n'ont plus qu'une seule carte à jouer face à la Roja espagnole. Et le 12 juin 1986, à leur 3e sortie, les Algériens sont laminés à l'Estadio Tecnológico de Monterrey. C'est Ramon Calderi qui signe le premier but pour l'Espagne à la 15e minute. And that had to be a goal.
Ramon Calderay. Face à la pression d'une élimination qui plane sur leur tête, les Espagnols déroulent leur machine offensive, marquant deux buts en un laps de temps. À la deuxième manche, deuxième but de Calderay à la 68e minute, suivi deux minutes plus tard du but de Eloy José Olaya Prendes. Gallego, Salinas and Eloy, and there's still no offside. Well, the Algerians are now team linesmen for another offside, and it wasn't given. 3-0. Les Fenecs d'Algérie sont éliminés de leur deuxième Coupe du Monde. Bon dernier dans le groupe D avec deux défaites, un nul pour un point. Bien en deçà de ces deux victoires de 1982 en Espagne. Le Maghreb, le Brésil, Saïd Selso, le Brésil, il y a le fait comme tous, mais nous quand haut. Il a tout le même chose pour Saïd Mourad Mahjoub, Moudarab al-Fariq al-Qawmi. Deuxième représentant africain dans cette 13e phase finale de Coupe du Monde, les Lions de l'Atlas du Maroc qui retrouvent la compétition 16 années après leur première participation à l'édition de 1970 sur les mêmes terres du Mexique. Contrairement à 1970 où les Marocains étaient tombés face à l'Allemagne de l'Ouest et le Pérou, les poulains du coach brésilien José Faria terminent en tête du groupe F devant trois équipes européennes. À ses deux premières sorties, le Maroc tient en échec 0 but partout l'Angleterre et la Pologne, avant d'humilier le Portugal dans un festival de buts. Du 13 mars au stade du 3 mars, donc à ici à Guadalajara, pour cette rencontre entre le Maroc et le Portugal. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue ici au stade du 3 mars pour la rencontre entre le Maroc et le Portugal. Après l'hymne portugais, nous allons donc écouter l'hymne marocain. Que ce match entre le Maroc et le Portugal et Bernard Pivot, un match ô combien important parce que finalement dans ce groupe tout le monde peut se qualifier. Avec une équipe portugaise peut-être qui possède peut-être plus d'expérience avec des gens comme Pacheco, comme Carlos Manuel et Achec. Alors pour les Portugais donc qui jouent en blanc alors que les Marocains jouent en rouge. Ce 11 juin 1986 à l'Estadio Tres Marzo de Guadalajara, le Maroc marque deux buts en 7 minutes dans le deuxième quart d'heure avec à la manette Abderrazak Kairi. Trois buts à zéro. Le match est plié, mais les Portugais réduisent le score à la 80e minute. But de Diamantino Miranda. Played on again by Futre to Inácio. And again Zaki comes, chance for Diamantino. They've got one back. 3 buts à 1 au coup de sifflet final de l'arbitre anglais Alan Sandy. Les Lions de l'Atlas du Maroc deviennent la première sélection nationale africaine à se qualifier pour les huitièmes de finale d'une Coupe du Monde, se hissant en tête du groupe F avec 4 points, devant l'Angleterre et la Pologne 3 points, clôturés par le Portugal, bon dernier à 2 points. That's the Moroccan lineup that we're looking at. They've been forced to make one and furnished to come in. Et à ce huitième de finale le 17 juin 1986 à l'Estadio Universitario de Monterrey, le Maroc retrouve l'Allemagne, son adversaire en phase de groupe à la 9e édition de 1970. Mustapha El Adawi, Mary Krimo, Mohamed Timoumi, Mustapha El Biaz, Aziz Bouderbala, Badou Zaki et Abdelmajid Dolmi marquent les Allemands à la culotte durant tout le match, mais tombent contre toute attente sur ce but de Lothar Matthäus à la 87e minute. Omar Schumacher in the Moroccan half, and Schumacher is halfway advanced in his half. Matthäus breaks the deadlock, and Zaki complaining, but Matthäus takes full advantage of it, gives an excellent goalkeeper no chance, and gives a few people a great deal of relief. Les Lions du Maroc sont éliminés de la Coupe du Monde après avoir valablement représenté l'Afrique à cette fête mondiale de football avec une honorable place en huitième de finale, une grande première
La correction administrée au Portugal montrait bien que les pays du continent avaient désormais leur mot à dire avec force dans le concert des grandes nations de football. Ce programme vous a été offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous.